Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons parler de SEOPress, l'extension française de référencement pour WordPress et d'Elementor. Alors, je ne vais pas faire une présentation complète de l'extension ni vous montrer comment elle fonctionne en détail. Le but de ce tutoriel, c'est de vous montrer comment personnaliser les réglages d'une page qui a été créée avec Elementor, sans avoir à passer par l'administration de WordPress. Donc, si vous n'êtes pas encore passé à SEOPress, je vous conseille vivement d'utiliser cette extension, parce que bah, je dirais que toutes les extensions de référencement se valent plus ou moins. Ça, c'est un fait. Par contre, le petit plus de SEOPress, c'est que bah, déjà, c'est français. Donc, vous avez des informations en français, vous avez du support en français. Vous avez aussi une version premium dont le tarif est défiant toute concurrence, puisque de mémoire, c'est 39 $ hors taxes par an pour un nombre de sites illimité. C'est parmi les extensions premium de référencement, c'est la moins chère de toutes, surtout si vous avez beaucoup de sites à gérer. Et franchement, elle est très bien faite. Je vous encourage vivement à utiliser cette extension. Vous trouverez le lien sous ma vidéo, hein, la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc, si vous allez dans la description ici, vous cliquez sur le plus et quelque part par ici, vous trouverez le lien vers SEOPress. J'en profite, comme d'habitude, pour vous inviter à cliquer sur le pouce dirigé vers le haut de la vidéo que vous êtes en train de visionner afin de lui permettre de mieux ressortir dans les résultats de recherche de YouTube. Et comme d'habitude, si vous voulez me remercier et que vous avez l'intention d'acheter des extensions, thèmes ou hébergements pour votre site WordPress, n'hésitez pas à passer par mes liens affiliés que vous trouverez dans le déroulé de la description. Ces liens vous permettront de me faire toucher une commission sans que ça vous coûte un seul centime de plus. Donc, par exemple, si vous achetez SEOPress en passant par mon lien, ça vous coûtera exactement le même tarif. Là, on va cliquer dessus. Voilà, 39 $, comme je vous disais, hors taxe, que vous passiez directement par le site ou en passant par le lien affilié. La différence, c'est que SEOPress me verse une petite commission si vous passez par mon lien affilié. Donc, c'est tout bénéfice pour vous, puisque ça ne vous coûte absolument rien. Et par contre, en me faisant toucher une commission, ça me permet de vous consacrer du temps à vous faire des tutos vidéo. Allez, on arrête de perdre du temps avec tout ça. Je ferme ici et on passe au vif du sujet. Donc là, je vais prendre sur ce site de test la page d'accueil qui a été créée avec Elementor. Donc je clique sur modifier avec Elementor et comme ça, on arrive dans l'éditeur Elementor. Et vous allez voir, c'est vraiment pas sorcier. Alors, voilà, ça s'affiche. Alors, il faut juste que je masque les contrôles de mon enregistreur de vidéo. Et en fait, donc, vous allez tout en bas à gauche sur l'icône réglage d'Elementor. Vous cliquez dessus. Et lorsque vous avez installé SEOPress, en plus des réglages d'Elementor, vous voyez qu'en dessous, vous avez tous ces onglets-là qui sont dédiés à SEOPress. Donc, le premier onglet vous permet de personnaliser le titre et la description SEO. Donc vous voyez, il faut un petit temps pour que ça s'affiche. Et une fois que c'est affiché, donc là vous voyez le titre par défaut, c'est donc univers de sophologie ici. On pourrait le modifier. Comme on pourrait utiliser le titre du site, un séparateur, voilà. Titre de l'article, pardon, j'avais dit titre du site, mais c'est le second. Donc ça, c'est pour ajouter automatiquement les balises. Bon, moi, je m'en sers très très peu, mais après, pourquoi pas. La métadescription, de la même façon, donc là, vous voyez, la métadescription, elle reprend par défaut un élément. Bon, là, c'est quand même pas le top top. Donc, on va essayer de rédiger une métadescription. On va mettre, par exemple, l'annuaire.
du syndicat. Je suis désolé, je n'ai rien préparé. Je fais cette vidéo tout simplement parce que sur Facebook, une personne souhaitait quitter CO Press pour une autre extension sous prétexte qu'elle ne pouvait pas intervenir sur le réglage de sa page. Donc, c'était voilà, je fais un peu sans préparation ce tuto. Donc, ne m'en voulez pas trop pour ça. Donc, l'annuaire des sophrologues indépendants vous propose sa sélection de professionnels. Trouver le spécialiste dont vous avez besoin près de chez vous, par exemple. Alors, je ne dis pas que c'est forcément l'idéal comme méta description, mais ça vous donne un peu un ordre d'idée. Donc l'annuaire du syndicat, là, donc on arrive à 179, c'est un peu beaucoup, donc du coup on va pouvoir remettre on va pouvoir mettre l'acronyme, hein, le SSI, voilà. Voilà. Et on va juste ajouter sophrologue ici, sophrologue. Ça, on devrait pouvoir ne pas dépasser la limite de 160 caractères. Voilà, on est tout bon. Donc, vous voyez que par défaut, en balise, vous pouvez mettre l'extrait de l'article. Alors ça, je vous conseille pas forcément de le faire, mais c'est mieux que rien si vous ne souhaitez pas mettre de description personnalisée. Mais encore faut-il avoir rempli l'extrait de l'article. Et donc ça se passe dans WordPress. Donc ça, en dessous, vous avez un aperçu de la prévisualisation en mode mobile. Alors malheureusement, comme moi je suis en mode sombre, forcément on voit pas grand-chose. Je suis désolé. Donc là on voit c'est un peu marqué, mais bon, c'est illisible. Ensuite, SEO avancé, c'est là où on va retrouver tous les réglages, notamment de nos index, de nos follow. Des balises Open Directory et compagnie. Donc là, si vous voulez personnaliser les réglages de votre page, c'est ici que ça va se passer. Idem pour l'URL canonique. En admettant que vous aviez un contenu équivalent sur plusieurs pages, il est recommandé d'utiliser une balise canonique pour qu'une seule page soit référencée. Ça évite d'être éventuellement dégradé pour contenu dupliqué. Et vous pouvez également personnaliser le fil d'Ariane. Alors, pourquoi personnaliser le fil d'Ariane? Tout simplement, imaginez que le titre de notre page aurait été La vie autrement, c'est possible à partir d'aujourd'hui. Ce qui peut se concevoir, hein, certaines pages peuvent avoir un titre long. Alors, on va plutôt le trouver sur les articles, hein, les titres longs que sur les pages. Et ben dans le fil d'Ariane, c'est pas forcément l'idéal. Auquel cas, vous pourriez mettre quelque chose de plus court dans le fil d'Ariane. Donc là, par exemple, si on reprend ici, on pourrait n'utiliser que la vie autrement, par exemple. Voilà. Donc là, vous le saisissez ici. Hein, on met la vie autrement. Voilà. Et auquel cas, c'est ce qui serait repris dans notre fil d'Ariane. Bon, je ne vais pas l'enregistrer puisque moi, je n'affiche pas le fil d'Ariane sur ce site de test, donc de toute façon, on ne verra rien. Donc, je vais par contre mettre à jour par rapport à la métadescription. Ensuite, l'onglet suivant, c'est le SEO social. Donc là, c'est pour lorsque vous faites des partages sur Facebook, sur Twitter, sur qu'est-ce qu'il y a, LinkedIn, Instagram et Pinterest, qui eux se basent sur Facebook. Donc là, vous mettez votre titre Facebook, vous mettez la description Facebook et vous ajoutez ici une miniature. Donc là, vous cliquez pour ajouter votre miniature, vous choisissez. Bon, je ne vais pas le faire parce que là, je n'en ai pas sous le coude. Encore une fois, c'est un site de test et le tuto se fait à l'arrache. Et vous aurez ensuite l'aperçu ici avec l'image qui va s'afficher à la place du cadre blanc. Et ensuite, on passe à Twitter. Donc là, c'est si vous n'avez pas fait des paramétrages comme il faut, ou si vous voulez personnaliser tout simplement pour la page ou l'article en question, eh bien vous pouvez tout personnaliser ici. Donc
le titre, la description, la miniature. Ensuite, on passe aux redirections SEO. Donc, par défaut, c'est désactivé. Et donc, si vous voulez activer les redirections SEO, vous cliquez ici. Vous choisissez ensuite le type de redirection, si c'est une redirection permanente, si c'est une redirection temporaire, si ça n'existera plus jamais, inaccessible pour des raisons d'ordre légal. Donc après, pour le code de redirection, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, je vous invite à vous renseigner sur des sites spécialisés en référencement. Là, c'est pas mon domaine de spécialité, donc je ne vais pas vous conseiller, histoire de ne pas vous donner de mauvais renseignements. Donc, je désactive ma redirection puisque je n'ai pas l'intention d'en faire une. Et ensuite, on retrouve l'onglet Analyse du contenu SEO. Donc là, vous voyez, vous saisissez votre mot-clé et ensuite, ça vous fait donc l'analyse avec les suggestions et vous avez même la possibilité de rafraîchir l'analyse ici. Voilà. Eh bien, écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tuto. Tout simplement, avant de vous quitter, je veux quand même vous montrer quelque chose. Donc, je mets à jour ma page, je vais la quitter. Enfin, on va revenir hop. On va revenir sur la page là. Ce que je veux vous montrer, c'est que donc ça, ces réglages SEO Press sont apparus ici il y a quelques mois maintenant. Quand je dis quelques mois, ça va être plus ou moins 6 mois, hein, à peu près, peut-être même un peu plus. Mais avant ça, on pouvait quand même paramétrer tous ces réglages. Tout simplement, il fallait aller dans. Au lieu d'aller modifier la page avec Elementor, vous passiez par l'éditeur WordPress. Et on retrouve toujours ces réglages ici. Donc, on va les retrouver tout simplement ici. Comme lorsque vous rédigez un article en passant par l'éditeur WordPress. Voilà. Vous retrouvez donc ici SEO. On retrouve le réglage des titres, les réglages avancés. Donc là, c'est, vous savez, les nofollow, non index et compagnie, les réseaux sociaux et les redirections. Voilà. Donc, et ça, c'est ici depuis la création de SEO Press, hein. Donc, ceux qui vous disent que SEO Press, ça fait pas longtemps que c'est utilisable avec Elementor, c'est tout simplement des âneries. La seule chose, c'est que depuis quelques mois, on peut y accéder sans avoir à repasser par l'éditeur WordPress, hein, en restant sur la page d'édition d'Elementor, comme je viens de vous le montrer dans ce tuto. Mais depuis le départ, SEO Press est compatible avec Elementor. Voilà, bien écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous rappelle simplement, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air sous la vidéo pour la faire mieux ressortir dans les résultats de recherche. Et si vous appréciez mes tutoriels vidéo, que vous avez l'intention que j'en réalise d'autres, n'hésitez pas à passer par mes liens affiliés lorsque vous faites des achats WordPress. Bien sûr, si vous n'avez pas d'achat à faire, ne vous forcez pas à les faire. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.